Bonjour, merci. Le Conseil se réunira après 10 mois d'une crise sanitaire sans précédent. Le risque est double. La dislocation sociale et l'oubli de la crise écologique. Pourtant, la crise que nous traversons est systémique. Elle est écologique. Détruire la nature nous rend vulnérables. Tout doit changer, la manière de répartir les richesses, de produire, de consommer. À remiser le climat en arrière-plan, nous nourrissons les maux mêmes qui nous mènent aujourd'hui au recul des libertés publiques et de la justice sociale. Madame von der Leyen, tenez bon. On ne négocie pas avec le climat. 5 ans après l'accord de Paris, le Conseil d'État français vient de rappeler, après la Cour suprême néerlandaise, que l'action pour le climat est une obligation. Au vu de notre responsabilité historique, les tergiversations actuelles sur l'objectif d'au moins 55%, voire 60%, comme nous le demandons, pour le climat d'ici 2030, sont misérables. Cessez d'attendre. Adoptons enfin les objectifs politiques qui nous permettront de garder notre planète en vie, d'y préserver les droits de toutes et de tous et nos démocraties.